Good morning, allez, Iden, les suisses aujourd'hui le Nishmat Yaakov ben Aïcha, ainsi que les refouats à Ravon Shmuel ben Abetor Shahol Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée à la 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Megillah, Perek Dalet, Mishnah Chet, Haomer, Eni Over Lifna Teva, Be Tzvuin, Avil Venim, Lo Yaavor, Be Sandal, Eni Over, Afiachef, Lo Yaavor, Rose Tefilato Agula, Sakana, Ve Enba Mitzvah. Netana al mitzro o al pasiado, arezé derech aminut. Tzipan zahav ou netana al betun kelishelo, arezo derech a chitsonim. En rapport avec les Mishnayot qu'on a déjà appris sur quels gens, quelles personnes sont aptes à monter lire la Torah, à monter vers Shaliar Tzibur. Après, on avait parlé des Kohanim qui sont aptes à monter vers la Birkat Kohanim dans la Mishnah précédente. Maintenant, on va voir tout ça de personnes qu'ils ont des tendances au. À l'hérésie, ils aiment bien s'attacher à toutes sortes de mauvaises croyances et tendances un petit peu idolâtres, païennes, paganistes, ce que vous voulez. Et donc du coup, des personnes qui ont une tendance comme ça, on ne va plus pouvoir les laisser faire la tfila ou ce qu'on va voir tout de suite. A Omer eni over lifnei ateva bitzvin, quelqu'un qui dit ah non, je ne peux pas monter moi, être shaliar tzibour, avec des habits de couleur. Eh bien, Af Bilvenim, Loya Avor, même quand il portera des habits blancs, il ne pourra plus monter à la Teva pour être Shaliar Tzibur. Soit, il y avait en fait un usage, je ne sais pas, c'est à mon avis, il y avait un usage en tout cas à l'époque, les gens ils s'habillaient, c'est explicite dans la Gemara, ils n'étaient pas noirs et blancs comme tous les orthodoxes d'aujourd'hui. Il y avait les Amoraïm, ils avaient des habits de couleur sans aucun problème, mais même parfois des habits rouges. D'accord? Ce qu'on a adopté aujourd'hui, les habits noirs et blancs, c'est, je ne sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas. Initialement, tout le monde portait des habits de couleur, sauf les moines, curés, ou je sais pas, ils avaient des habits spécialement noirs ou blancs, blancs plutôt. Et donc du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui, à la synagogue, on lui dit, vas-y, je t'en prie, va faire le Shaliar Tzibour, on a besoin de quelqu'un qui va dire, non, je suis pas habillé, j'ai des habits de couleur aujourd'hui. Alors quoi? Parce que tu veux monter à la Teva que quand tu as des habits blancs. Alors tu as peut-être une tendance à, je sais pas moi, être un idolâtre, quoi, à l'idolâtrie, d'accord? Comme ça que c'est expliqué. Et idem aussi, Besandal et Niover, Afirchef Loyavor. À l'époque aussi, c'était plus fréquent d'avoir des gens qui montaient pieds nus ou qui portaient des chaussures. Deux minutes, il y a un petit problème parce que je ne sais pas exactement ce qu'il veut celui-là avec ses sandales. Alors il est en sandales, il dit ah ouais, non, c'est ça. Maintenant. On peut monter à Shaliar Tzibour avec les chaussures, tout comme pieds nus. En théorie, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui dit, attends, je vais... Donc on invite maintenant une personne à monter à Shaliar Tzibour, on dit, attendez, je vais d'abord enlever mes chaussures. On va lui dire, qu'est-ce que tu as? Tu as une tendance à l'idolâtrie de nouveau, parce qu'ils enlèvent leurs chaussures. Je sais pas, c'est comme les Arabes qui enlèvent aussi les chaussures, forcément, avant de faire la tuile-là. Donc du coup, on remarque qu'il a une... Il est makpid, il est méticuleux sur ça. À faire attention à avoir une allure de moine, ben on va se dire que peut-être qu'il a une tendance à l'idolâtrie, d'accord? Ensuite, Aosé Tfilato Agula, Sakana Ben Bamash. Alors ça c'est un morceau de Mishnah un peu dur à expliquer. Je traduis d'abord, Aosé Tfilato, la Tfila, on parle de Tfila Shel Rosh. On parle de Tfila Shel Rosh, et au lieu de la faire comme nous, en carré, eh bien il la fait ronde. La Mishnah j'ai traduit littéralement, ça c'est dur à expliquer, parce que c'est Sakana Ben Bamitzvah. Sache qu'il se met en danger et il n'y a rien dans ce qu'il fait, il n'y a pas de mitzvah dans ce qu'il fait. Parce que, d'abord, il faut bien comprendre un truc important, c'est fréquent dans la Gemara, quand on étudie la Gemara, dans la première sugya qu'on étudie sur les tefillines, on réalise que nous on imagine que les tefillines, c'est essentiellement la boîte noire avec dedans des parachutes. C'est vrai, d'accord, mais il faut regarder ça à l'envers. Les tefillines, c'est des parchemins qu'il faut porter sur soi. Allez, toi, nous dis dans quel étui tu vas les mettre. Je vais le mettre dans un étui carré, noir, en cuir. Et du coup, aujourd'hui, on réussit à faire des tefillines tellement bien, précis et beaux. Et, d'accord, je ne sais pas si vous avez des téléphones, des tzitzit de l'époque d'il y a encore 300 ans. C'est fréquent dans les musées, vous voyez que c'est un peu comme il y a des gens qui portent des amulettes comme ça, pour du coup, avec dedans des parchemins ou je ne sais pas quoi. Et ben, ils avaient un truc comme ça sur la tête, qui en avait quatre en même temps. C'était comme ça qu'ils mettaient les tefillines, plus ou moins. D'accord? C'était moins industriel et moins beau, moins réussi, quoi. Il veillait à ce que ce soit carré, parce que c'est justement ce qu'on est en train de voir dans la Mishnah. Alors du coup, maintenant, il y a quelqu'un qui s'est fait des petites filines avec les quatre parachutes, mais il les a fait en forme ronde.
Alors la Mishnah me dit, ben, sache que bon, qu'il n'y a pas de mitzvah, on a bien compris, parce que les tefillin qui doivent être carrés, c'est une halakha de Moshe Mitsinaï. D'accord? Mais la Mishnah me dit pire que ça, c'est pas juste qu'il n'a pas fait une mitzvah, il est même en danger. C'est un danger. Alors là, beaucoup peine à expliquer qu'est-ce qu'il y a de danger, si tu as mis un rond sur la tête, ça va faire quoi? Alors il y en a qui expliquent, qu'il y a une tendance qui explique qu'il y a effectivement un danger, parce que si toi tu vas te prendre un coup dessus, ça peut te rentrer dans le crâne et ça peut faire des graves dégâts. D'accord? Ou bien tu vas marcher, comme ça il rapporte le harour, il va marcher, et puis il va se cogner la tête contre le linteau. Et ben ça peut lui faire mal. Ou il y en a encore qui vont dire que non, vous savez, quand on fait la Nefilat HaPaim, comme encore les Ashkenaz le font aujourd'hui, quand après la Tfila, on fait ce qu'on fait nous, les Soranim, les Techanonim, chez les Ashkenaz, ils font la vraie Nefilat HaPaim comme à l'époque, presque. À l'époque, il fallait vraiment se coucher par terre. Donc il fallait se coucher pour faire une fila de manière couchée. Eh bien, on a peur que là, quand il va baisser la tête, il va aussi se rentrer les tefillin dans le crâne. C'est ce qu'il a écrit, seulement c'est un peu bizarre. Alors quoi, on n'a plus le droit de mettre des ronds sur soi de peur que ça va s'enfoncer. C'est pas assez clair. Il y a le Tosot qui nous dit non, les tefillin, ils ont la capacité de protéger en cas de shalom, de danger, de décret, tout ça, de protéger. Sache que si toutefois tu te fais des tefillin qui ne sont pas carrés, qui sont ronds, sache que ces tefillin ne pourront pas te protéger. D'accord? Ensuite, Netana al Mitzro ou al Pasiado, un réseau de Rechaminut. Si toutefois, il avait cette tefillin sur son front, ou bien sur Pasiado, sur sa main, qu'il sache que c'est le Derechaminut. C'est les Derech des Minim, des Épicuriens, des Zokim, ceux qui contestent la Torah chez Béalpé. Parce qu'ils vont nous dire, il y a marqué qu'il faut la mettre sur ta main, entre tes yeux. Donc il va mettre cette filine sur la main, il va mettre cette filine entre les yeux. Et ben sache que si tu vois quelqu'un comme ça, sache que c'est un mine. Il faut t'éloigner de lui. Il faut pas. Il a des déotes tordues. Et maintenant, parce que concrètement, Chachamim interprète le psukim. Ben enecha, d'abord entre les yeux, on apprend une xerashava avec le fait qu'il y a écrit. Banim, atem, lachem, lokechem, lotasim, korcha, ben enechem. On a parlé de se mortifier quand il y a un mort, de se vouloir se faire de la peine en s'arrachant les cheveux. Il y avait comme ça un usage un peu païen, ou un peu. C'est longuement expliqué quelle est la définition exacte de ce type d'interdit, de se faire plus de peine à outrance. Et pour un mort, eh bien, donc la Torah nous a dit, tu ne t'arracheras pas des cheveux qui sont entre les yeux. C'est-à-dire les cheveux qui sont entre les yeux, mais là où il y a des cheveux, ici il n'y a pas de cheveux. Donc la Torah elle utilise le terme ben enecha pour te dire au milieu de la tête, là où il y a des cheveux. On apprend par Gzera Shava que les tefillin, tu les mets aussi, là où il y a des cheveux. Il ne faut jamais descendre les tefillin sur le front. Faut savoir ça d'ailleurs, c'est un grand problème, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, et qui ont des tefillin trop grands, ils ont emprunté les tefillin du fils ou du truc, ils mettent des tefillin, soit ils les mettent trop bas, ils vont les enfoncer. C'est un grave problème que tout simplement, même si le carré, ce qu'on appelle la titoura, le socle des tefillin, même s'il dépasse, c'est déjà un problème. Une chose sûre qui est invalide d'après tous les avis, c'est si toutefois, à part le socle, il y a la ktita, ce qu'on appelle la boulette, au moment où ça sort, si ça rentre, là ça sort des limites des cheveux, la pose des tefillin, elle est invalidée, elle n'est pas bonne. C'est un vrai problème, et ceux qui ont des tefillin trop grands, il faut les faire raccourcir, c'est pas compliqué à les raccourcir. À l'occasion, on expliquera, je crois qu'on a déjà expliqué dans 5 minutes, on avait parlé des tefillin, on avait expliqué, tant mieux que mal, sans schéma, mais. Il y a dans les vieux sidour, des anciens sidour ashkénazes là de Tfilat Kolpé, il y a là-bas un dessin qui explique comment faire. Ça vaut le coup de s'asseoir dans la vie pendant 5-10 minutes avec des tefillin en main, puis apprendre à faire ce nœud au moins l'essentiel pour pouvoir savoir le raccourcir quand c'est nécessaire. Parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire et du coup ils mettent des tefillin qui ne veulent pas les mettre. Les tefillin doivent rester au-dessus des cheveux. Derrière, ils n'ont pas le droit de descendre. Il faut être là où il y a le chipois, où ça se courbe, et surtout pas toucher. Alors là, surtout pas rentrer dans l'espace où il n'y a plus de cheveux. Et du coup, qu'il faut qu'il soit bien mis et pas en équilibre instable. Donc du coup, il faut nécessairement apprendre à conserver les tefillin quand c'est trop long. Je reviens maintenant sur le vif du sujet. Donc, et lui, ce qu'il fait, lui. Donc, j'étais en train d'expliquer. Là, on parle qu'il y a quelqu'un qui va nous mettre les tefillin sur le front. Ou les tefillin, il va le mettre sur la main, parce qu'il y a marqué qu'il faut le mettre sur la main. Or, comme ils m'ont expliqué aussi. Aliyadecha, c'est mais à la yad, au-dessus de la main, comme c'est dit du passou que je ne le retrouve plus, pour t'apprendre que. Begova yad, à une hauteur de la main, d'accord? À plus haut que la main. Donc, celui qui fait pas comme ça, qui va vouloir mettre les tefillin plus bas ou les tefillin dans la main, qui sache qu'il est à des derech haminut, il est un mine,
un apikoros. Tzipan zahav, ou netana albet unke l'échelo. S'il les a, il a voulu avoir des tuilines, mais les mettre en or. Ou encore les faire en or, il les a recouverts d'or. Ou bien, ou netana albet unke l'échelo. Bien, il les a mis sur sa manche. Il les a mis comme ça par dehors, comme ça, il marche dans la rue, comme ça, tout le monde voit qu'il a des tuilines. Ouais, il s'imagine que c'est super parce que la Torah elle a dit que lorsque les goïm vont voir que tu as les tefilines, ils vont s'éloigner de toi. Ouais, Véro Kalamaretz, Kishem, Alecha, je sais plus comment c'est dit, et Veyareum, Mimecha, ils auront peur de toi. Donc du coup, ils vont mettre les tefilines sur sa chemise. Eh bien, dans ces deux situations, il a arrêté Derech Chitsonim. C'est là, cette fois-ci, c'est l'usage des Chitsonim, des gens qui ont une tendance à expliquer les psukim, Michutz les Kabbalat Chazal. Et là, une tendance de nouveau, c'est une autre forme d'hérésie. C'est quelqu'un qui a un saint hérétique de nouveau. Il a la tendance à l'hérésie que quoi? Parce que Chachamim ont des kabbalot bien clairs. Les tuilines doivent être noires, c'est déduit par Alakha la Moshe Sinaï. Ils doivent être faits par. Et en plus de ça, ils doivent être d'une espèce qui est Minamotar Befira, d'une espèce qui est consommable et cachère, vivante. Ouais. Faire des tuilines avec de la vache, avec du. En général, c'est ce qu'on fait. À l'époque, on faisait plus des tuilines aussi avec de la Bémadaka, avec des ovins. Je crois que c'est même possible de faire des tuilines avec de la volaille aussi. Je crois qu'il n'y a pas d'interdiction avec un peu de volaille, j'ai un doute. Mais en tout cas, mais il faut que ce soit un être vivant et surtout pas un minéral tel que l'or, sans compter que la couleur en plus, elle est mauvaise. Il faut qu'il soit noir. Ou encore, s'il a mis sur sa manche, la Torah nous dit va y aller les hautes à la défa. Il s'en signe pour toi. Tu les mets les tuilines en dessous, chez toi, proche de toi, pas à l'extérieur. Tu les mets proche de toi, donc c'est pour ça qu'il va nécessairement les tuilines sur le bras directement, d'accord? Et s'il ne fait pas ça, donc on a dit c'est un derech chitsonim, c'est une tendance à, de nouveau, à la picorsou, à l'hérésie. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.